du trône, à ceux qui vinrent y siéger, il fut donné d'exercer le jugement. Il s'agit ici de tous les chrétiens qui ont traversé fidèlement les persécutions. Tandis que Rome se consume dans le feu du jugement, ces chrétiens sont intronisés. Ils prennent place dans le tribunal qui la condamne. Les chrétiens tués ou décédés pendant le règne de la bête romaine ressuscitent pour partager la victoire du Christ, au même titre que leurs frères vivants encore. Que vont faire ces chrétiens qui ont traversé la grande épreuve? Vont-ils se lamenter sur l'injustice de leur sort? Vont-ils regretter d'avoir enduré pour Jésus la honte et le dépouillement, le viol, l'exil, l'épée et le feu? Certainement pas. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Le 1000 ans caractérise pour le diable la défaite absolue. Il représente pour les soldats victorieux du Christ la plénitude de leur récompense. Dans la vision, la Rome impériale a complètement disparu. Satan ne peut plus jamais se servir d'elle contre les fidèles. Mais se diront ceux-ci, Satan ne va-t-il pas recruter d'autres armées pour les lancer contre l'Église? Si, bien sûr que si. Ce sont toutes les tentatives futures du diable qui sont condensées sous le nom de Gog et Magog. Après la destruction de Rome, Dieu relâche Satan. Il lui permet de lever une nouvelle armée, Gog et Magog, dont la puissance numérique dépasse toute l'imagination. Si cette armée-là ne peut écraser les saints, c'est qu'aucune armée n'y parviendra. Les hordes de Gog et Magog investissent l'Église, mais elles seront anéanties par un feu descendu du ciel. L'échec de cette attaque signifie que le diable a fini sa carrière d'adversaire des élus. Son rôle dans cet apocalypse est terminé. Il n'a plus qu'à disparaître de la scène. Et le diable, leur séducteur, fut précipité dans les temps de feu et de soufre auprès de la bête et du faux prophète. Il ne reste dans le camp romain que les païens qui ont péri au service de la bête. Leur destin doit être décidé devant le trône de Dieu. Les partisans de Rome tués au cours des jugements divins sont maintenant ressuscités, condamnés à rejoindre leur maître dans les temps de feu. Ainsi s'achève la défaite définitive de toutes les forces sataniques liguées dans ce livre. Il ne reste plus pour conclure cet apocalypse qu'à montrer un dernier plan, celui de l'Église sortie victorieuse de l'épreuve grâce à son maître. Il a cité sainte la Jérusalem nouvelle, je la vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Cette ville n'est pas une cité matérielle. Elle représente simplement l'Église chrétienne fondée et sanctifiée par Dieu. Pour cette Église restée fidèle à travers les persécutions, Dieu crée un nouveau cadre de vie, un nouveau ciel et une nouvelle terre, débarrassée à jamais de l'oppresseur romain. Jean n'aperçoit plus que l'Église radieuse baignant dans une sécurité et une joie parfaite. À quoi comparer cette cité resplendissante, lieu de bénédiction inestimable? À côté d'elle, Rome fait figure de bidonville. Le nombre 12, chiffre du peuple de Dieu, figure d'une manière prééminente dans la disposition de la ville. Sa muraille a 12 portes, gardée par 12 anges, et est inscrite le nom des 12 tribus d'Israël. Elle repose sur 12 fondements portant les noms des 12 apôtres. Son épaisseur est de 144 coudées, c'est-à-dire 12 fois 12 coudées.
La ville elle-même forme un cube parfait dont chaque côté mesure 12 000 stades. Cette répétition du chiffre 12 nous rappelle que nous contemplons ici la cité du peuple de Dieu, l'Église. La ville n'a pas besoin de temple ni de soleil, car Dieu et l'agneau y habitent en personne, avec les fidèles, et leur apportent l'illumination spirituelle. L'Église, à son tour, servira de lumière au peuple païen égaré et dans les ténèbres, les mêmes peuples qui l'avaient méprisé et essayé de la détruire. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. À l'intérieur de la ville, ses habitants boivent du fleuve de l'eau de la vie, non pas une eau matérielle, mais le torrent de grâce vivifiante que Dieu répand en abondance sur son peuple. Aux hommes spirituels, assoiffés du dehors, l'Église offre cette invitation. Que celui qui a soif vienne, que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. Au centre de la ville pousse l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes 12 fois par an. L'Église est le lieu où les hommes ont accès, dès à présent, à la vie que Dieu offre en abondance. Les feuilles de l'arbre servent également à guérir les nations malades du péché. Les bienfaits dont jouissent les chrétiens sont offerts gratuitement à tous les habitants de la terre qui veulent les recevoir par la foi et le baptême. Dans le Christ se trouve tout ce qui est nécessaire pour entretenir en eux la vie éternelle, lumière, eau, nourriture et guérison. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité. Quelles que soient les apparences, les chrétiens règnent maintenant et pour toujours, car ils participent au règne de leur maître. Laisser le Christ régner dans notre vie, même au prix des plus grands sacrifices, est le seul moyen d'assurer notre avenir. Le drame visionnaire est achevé et le rideau est baissé. Maintenant, à la fin de la représentation, certains personnages vont venir devant le rideau tombé pour prononcer un épilogue. Ces paroles sont certaines et véridiques. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Promesse adressée au premier destinataire de l'Apocalypse, c'est-à-dire les chrétiens de l'Empire romain. Le Christ viendra bientôt pour les délivrer du monstre Domitien et pour livrer bataille contre Rome. Bien que transmis par le truchement d'un ange, l'ensemble des visions communique une révélation venant de Dieu lui-même. Révélation que le livre de l'Apocalypse transmet fidèlement. Moi, Jean, j'ai entendu et j'ai vu cela. Ne garde pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Pour clore la vision, Jésus apparaît une dernière fois comme l'alpha et l'oméga. Il appelle ses lecteurs à bien choisir leur camp avant qu'il ne soit trop tard. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Celui qui atteste cela dit, oui, je viens bientôt. Permettez-nous de faire à votre égard
le même vœu que celui de l'apôtre Jean qui termine l'Apocalypse. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous.